Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 pour Thé, Pudding and Camembert. Et on est avec Damned, salut Damned. Hello. Et on était toujours de notre côté en guerre contre l'Écosse et Damned en guerre contre la Bretagne. Ouais, avec notre aide émérite. J'ai gagné 6% parce que je suis tombé dessus, donc peut-être que là tu peux négocier la totale. Ah ouais, bah écoute, je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça dès que j'aurai un diplomate. Ils sont en train de revenir. Ah oui, ce sera mieux. Ouais. Je viens de faire la paix avec le Desmond, faut qu'il revienne. Et donc, magnifique mouvement, le Desmond, du coup, il y a 3000 troupes ici qui sont rebelles et qui vont tomber sur les 4000 troupes du Kildare qui reviennent totalement démoralisées de leur défaite. Donc, ça peut être franchement un super beau mouvement. Bon, bah, du coup, Cork est tombé, hein, vu que forcément, là, pour le coup. Oui. L'un ne change pas l'autre, mais bon. Ouais, ok, non, les rebelles se font quand même défoncer. Pas de ouais, puis l'autre arrive. Mais bon. Ça fait quand même toujours ça de prix, puis c'est des rebelles qu'on n'aura pas à gérer. Alors, on occupe ce territoire. Ah, et puis du coup, je peux même pas aller là. Tu vois, moi, je peux pas y aller hein, à Borgsbury, parce qu'il y a les Elfors, là, qui m'empêchent d'y aller. Ouais, bah ouais. C'est abused. Qui est logique en plus, du coup. Mais bah oui, ce qui est logique. Dans, dans les deux sens, quoi. Pourquoi eux, ils ont pu traverser, je ne sais pas. Je sais que ceux qui étaient déjà sur Roxburghshire, là, quand j'avais. Avant que le fort ne tombe, ils étaient déjà là, donc ils pouvaient passer. Mais les autres qui se baladaient comme ça, c'était la fête, là, pouf pouf, oh tiens, on va en Angleterre, on revient, on repart. What the fuck, quoi. J'ai pas d'autre mot. Ouais, c'est ça. Ah, puis là, le siège va retomber. Il est déjà à 49%, là. Est-ce que tu peux regarder si la Bretagne est à la limite, essayer qu'on ramène tes bateaux, voir si tu peux les utiliser, parce que si tu peux ramener 9000 hommes... La Bretagne ne veut toujours pas, ça a diminué le score quoi. Ah merde. Attends, je vais effacer l'offre, tout reprendre. C'est bien pour toi, hein. Oui, tu cèdes à la Normandie, c'est bien ça. Eh ben je vais faire un tour à Utrecht, écoute. Ouais, je sais pas pourquoi, durée de la guerre, puissance militaire bretonne moins 4, offre de prêt actuelle moins 60, se traduirait par l'annexion et la vacillation moins 40. Et on n'est plus qu'à 100 de bonus, score de guerre, lassitude de guerre, l'Angleterre engrange des victoires plus 2, puissance comparée des deux camps plus 9. Ok, on a peut-être perdu en puissance parce que j'ai perdu des sièges, un truc du genre. Ouais, mais non mais vas-y, je vais aller faire un tour à Utrecht, je pense que... J'ai pas regardé où ils en sont en nombre de troupes, mais ouais, bon. 7000 hommes, réserve militaire 7000 hommes. La bonne nouvelle, c'est que l'Écosse n'a plus que 7000 hommes, et ça, c'est plutôt cool. On va rembourser notre emprunt pour se faire un peu plus de blé, même si ça nous baisse pas mal, on a quand même des bonnes rentrées d'argent. Attendre un peu avant d'aller en Utrecht quand même. Ah, ils ont repris Kildare, les petits cons. Ah bah ça. Donc ils vont probablement se pointer. Ils arrivent, ouais. Ça fait pas mal de troupes encore. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, mine de rien. Et moi je suis à moins 35%, mais j'ai fait une brèche. C'est tough. Ouais, mais ils arrivent. On va se regrouper, tant pis. De hein. toute façon, on prend pas d'attrition, c'est chez nous donc. Non mais par contre là où ça peut commencer à puer c'est si tu perds cette bataille. Ouais bah du coup il va. Non, il te laisse tranquille. Il me laisse tranquille mais sûrement le temps que ses potes arrivent. Hein. Oui, clairement. D'autant que là, c'est un marais donc on aura un malus en plus. Écoute, pour l'instant on va attendre. Il aligne combien là? 6? Ouais non il va m'écraser si jamais il lance le combat. Hein. Avec la grosse buff technologique qu'on se prend, ça va être le drame. Mais on va juste attendre, dès que je le vois bouger, je vais mettre pause. S'il bouge. Ah oh, putain! La pop-up de merde. Non, c'est bon. Oh, putain, les pop-up qui me cachent la vue, ça me stresse. Visiblement, il se barre. Et s'il préfère aller me prendre des trucs comme ça plutôt que m'aider, enfin ça me va parce que si je prends ce fort, si le concept des forts fonctionne, il est coincé. Il est coincé. Alors, il est coincé de mon côté, certes, mais il est coincé. Il est coincé. Il y a combien de troupes dans ce fort là?
Ouais, 1000 quand même, un assaut, je peux pas me permettre un assaut. Hop hop hop, des troupes bretonnes qui se baladent. Tiens, je revérifie la Bretagne parce que je vois qu'on est passé à 69. 100 contre 109. Ouais, ouais, non mais. Je viens de voir des troupes bretonnes là, je vais leur taper sur la tronche. Faut que je les rattrape. Appel aux armes. Oups. Autriche demande que nous venions à son aide dans la conquête bourguignonne de Liège contre Bourgogne, oh Brabant, Flandre et Hollande. T'es pas en Bourgogne? Bah, je suis à côté quoi, si je suis dessus, en plus je suis dedans moi. Bah écoute, je te propose de te barrer de la Bourgogne. Bah je vais le faire, oui, mais ah putain, je vais me faire péter mes troupes, c'est sûr et certain. Retourne te foutre à Calais par exemple, puis je vais accepter de toute façon. Bah ouais, mais en plus c'est une guerre là, c'est une guerre défensive en plus hein, donc il se fait attaquer quoi par la Bourgogne. Sérieusement. Ah putain, mais je vais. Ouais, mais Calais, je dois traverser tout le territoire bourguignon, quoi. Ouais, mais y a pas de troupes. Bah, je les vois peut-être pas. Bah, moi, je vois. Amiens Noir, toi, autour de Calais. Je vois Hainaut. Et. Pas Cambrai. Cambrai, je vois pas. Ouais. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait de quoi faire tomber 10 000 troupes là, quoi. Super. Bon, bah, écoute. Bah, écoute, de toute façon, go. Hein. Oui! Tout va bien, mais hyper large. Bien, hein, ils étaient tous ailleurs. Sauf que le gros problème, c'est que je suis bloqué avec les forts, et du coup, je suis bloqué, je peux plus retourner dans mon territoire. Putain. Donc, mais je vais perdre toutes mes troupes. Et attends, là, il y a quoi, là? Il y a une bataille entre Liège, Bourgogne, 16 000 hommes, 17 000 hommes, la Bourgogne. Ah bah non, mais je vais me faire éclater le cul. Hein. Ah bloqué, oui, parce que, bloqué, parce que la Flandre est en guerre contre nous aussi. Ah putain. Eh ouais. Hein, je suis bloqué. Ah merde. Attends, bon, déjà on va faire la paix avec. Ah et, du coup on est repassé de 91 à 111 forcément. Écoute, je vais lâcher le Vente par exemple. Hein. Vente ou le Finistère? Qu'est-ce qui te sied le plus? Le Finistère, je pense que. J'ai une revendication sur l'Armor, le Rennais et le Finistère. Mais dans un sens, le Finistère, si je le prends pas. Je serais à même de le prendre plus tard, le français pourra pas le prendre, quoi. Je suis le seul à pour faire une revendication dessus. Ouais, c'est ce que je me disais. Je suis pas sûr que le français puisse pas, mais il y a moins de chances, on va dire. Ouais, oui, puisse pas, peut-être pas, mais en tout cas, ça le coupe, quoi. Bon, bah on part là-dessus, alors. Il y a une ça pourrait faire une coalition. Ah ouais. Bah écoute... Y a qui dans la coalition? Pas mal de monde, hein, Clanricarde, le Munster, Ormond, Sligo, bah quasiment toute l'Irlande en fait, et la Bretagne. Ouais, bon. Pas de grosse puissance non plus, quoi. Non, mais à mon avis, ça peut être tendu. Pour ma propre paix à moi derrière, ça peut jouer, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Marche inefficace. La marge de Normandie est désormais beaucoup trop étendue pour être administrée de façon efficace, elle a donc perdu tous les avantages liés à son statut. Ah oui, t'as pu tous les bonus, c'était devenu trop gros. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était basé sur un pourcentage de ta puissance, je me souviens. Fait que tu sois à 25%, ouais. Un truc du genre. Je vois. Allez, ça peut tomber à 14%, non, ça ne tombe pas. Oh putain, lutte politique au sein des clercs, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent en influence ou on s'en branle et on paye? Non, non, c'est bon, démerdez-vous les clercs. On va désarmer les bateaux, on va. Maintenance de la marine à zéro, et puis voilà. Bon, en tout cas, c'est cool, j'ai pu agrandir un peu mon territoire, ça fait plaisir. Ouais, maintenant il va s'agir de le garder. Ouais! La France a conclu une alliance avec l'Écosse. Oh putain. Merde! Ça va partir en couille cette partie, moi je vous le dis. Ouais, c'est clair. La Provence m'a rivalisé, mais oui, mais allons-y. Et ce siège qui ne tombe pas. Et s'il arrive à prendre Montgomery là où il est à moins 49 alors que moi je suis à 28, ça va chier. Clan KD, ah ça y est, on a une coalition. Ce qui veut dire qu'il nous faut une victoire totale sur l'Écosse, sinon on pourra pas faire de paix très intéressante.
Sildari occupe des trucs, bah ben, ouais, je peux bien le croire. Oh là là, mais terminez ce siège, putain! Sans déconner, quoi. 50% de chance, ouais, putain, pourtant. Dès que ça c'est fait, faut qu'on retourne prendre l'objectif de guerre. Pas chier. Avec l'objectif de guerre, il se fort, il y a moyen qu'on fasse des trucs. Bon, sauf s'ils prennent la capitale, mais c'est pas tout de suite. Allez, faut que ça tombe là. Ah, France a bouffé. Ça y est. La France a absorbé l'Orléans. Enfin, l'Orléanais. Là. Un peu blob. Ah oui, ça commence à devenir un peu plus gros. Ouais. Putain, la quantité de forts qu'il y a en Bourgogne. Elle est en train d'annexer le Bourbonnais et Foix aussi. De toute façon, c'était prévisible. Hein. Oh oui! Bon, ce qui est bien, c'est que la Bourgogne fait un siège dans son coin, elle galère un peu, donc ils me foutent la paix. Du coup, bah, je fais avancer la guerre. Oh le bordel, là, l'Autriche et tout. Allez, faut finir cette bataille. De notre côté, Liège, l'Autriche, Mantoue, Nassau, Normandie, Salzbourg, Trent, Trèves. Ok. Bon, bah écoute, si je peux aider à faire tomber la Flandre. Ce sera toujours ça de prix, hein. Je préfère ça que perdre mes troupes, hein. Bon, on est en train de raser ses bateaux. C'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à s'étaler partout, normal. Alors, je pense que moi, ce que je vais faire, c'est que du coup... Déjà, on va ranger les bateaux là. On va embarquer. Et nous aussi, on va aller débarquer dans son arrière-pays, là. Pour foutre un peu la merde. Demande accès militaire de la part de la Bretagne. Non. Alors attends, nous avons appris qu'est survenu un événement crucial, appel de la Ligue de Prusse en Pologne. Alliance avec Danzig, non, on s'en fout. Pourquoi j'ai que la moitié des troupes, là? Pourquoi j'ai que 8000 hommes? Ah putain, mais j'en ai que... Attends, mais j'ai 16 bateaux. Ah, mais c'est parce que je dois avoir des trucs vides. Ah merde, putain, je suis coincé là, du coup. Non, il va me sauter dessus, ce connard. Est-ce qu'il peut me sauter dessus? Non, il va me sauter dessus. Tant mieux. Comme d'hab, en tout cas, l'Autriche a mis un temps fou à se regrouper et se faire une vraie armée, quoi. Il y a 1000 hommes partout, là. 1000. Alors ça y est, il commence à y avoir une grosse armée de 26 000, là. Mais bon. Ah, on a un homme d'état qui est mort. Il m'a écouté. C'est comme ça. Bon, vous voulez pas débarquer? C'est quand vous débarquez, là? 19 février, ma putain. La dure vie en mer, moins de 700 sur les réserves des marins, parce que pourquoi pas. Alors du coup, est-ce que ici je peux bouger? Je peux bouger. On va aller se poser cette sur guerre. La capitale. Cette guerre interminable contre Kildare, quoi. Ah ouais, non mais là... Poussif. On a du mal, il n'y a pas d'autre mot. Votre lassitude de guerre est élevée. Ah bah oui, je veux bien le croire, ouais. Ah, ça y est, l'Autriche commence à gagner des batailles. Enfin. Il faut tomber sur la Bourgogne, maintenant. Non, tu veux insister sur le Brabant ou la Flandre? Ok. Allez, nous aussi, on peut aller prendre des territoires à la con, hein, pas de problème. Ouais, la Bourgogne qui va prendre le Maine, bon. Mais quoi? Mais il traverse? Mais what? Mais this is a joke! Me dis pas qu'il peut aller plus loin. Non, il peut pas aller plus loin. On est d'accord. Oh, l'épidémie qui fait qu'on a perdu nos trucs, quoi. Sans déconner. Bon. Faut qu'on se tire d'ici. Hein. C'est n'importe quoi. On peut plus faire le siège, donc ça sert à rien de le garder. Et là, ils vont pouvoir faire le tour, par contre. Pas sûr, enfin disons que je suis pas suffisamment sûr. On va plutôt aller s'occuper de Kildare, c'est l'objectif de guerre.
Et puis pendant ce temps-là, on va brûler son arrière-pays. Puisqu'il brûle mon arrière-pays, il n'y a pas de raison. Ça y est, j'ai remporté le siège. Bon. Bien joué. Maintenant, faut que j'aille faire le siège en Bourgogne. Les contrebandiers sévissent. Bah, tu m'étonnes, c'est la teuf là. La même là. Alors attends, la lassitude de guerre, on va claquer un petit peu de points pour la baisser. Ici, on se refait une bataille navale parce que pourquoi pas. Bon, au bout d'un moment, je vais finir par perdre des bateaux. Hein. À un moment. Non, je vais pas faire ça, je vais plutôt aller me. Eh, donc ils peuvent. Ils pouvaient bien venir, hein. Il peut bien venir ce con, mais non, mais attends, c'est pas possible quoi. C'est quoi ce délire avec les forts? Il faudra qu'un viewer m'explique là, parce que franchement, cette combinaison là, c'est totalement aberrant quoi. Et là, j'ai pas d'autres mots, hein. Sincèrement, j'ai pas d'autres mots. Convoquer le Slan. Ouais, Slan ou Jilly, enfin quelqu'un qui. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui comprend, parce que là. Enfin, sans déconner quoi. Ils ont pas ce fort là, ils ont ce fort là, ils peuvent se balader, moi je pouvais aller nulle part quoi. J'étais obligé de passer par les bateaux quoi. Ah oui, mais regardez ça, c'est ouf! C'est complètement la teuf quoi. Les mecs ils se baladent comme ça, à travers les forts, sans aucun problème. Le royaume fantôme, ok, le royaume fantôme, très très bien. Et là, ces troupes-là, elles vont se faire défoncer. Hein. Il reste des gens ici, 950, on a fait une brèche. Ok, il bien dans notre guerre, tout le monde là. A une lassitude, un enthousiasme de guerre faible. T'as juste Ulster, il est élevé, ils sont bien. Une paix là, on pourrait faire une paix blanche, hein, éventuellement. Ouais, ça ferait chier, mais bon, tu m'étonnes que. Je comprends que tu commences à en avoir marre et être au bout là. Bah non, mais enfin, je comprends rien quoi, sérieusement, cette guerre, c'est n'importe quoi. Enfin, le coup d'effort, ça me dépasse totalement. Là pour le coup, enfin, rien. L'autre il était de mon côté, j'ai pris le fort. Bah pas de soucis, il est passé en Cambrie, pouf, il traverse le détroit, pas de... aucun stress. Tranquille quoi, hyper large. Tu te dis mais... mais what? Mais pourquoi? Ouais, c'est vrai que des fois... Et là du coup il va me tomber dessus avec ses 7000 hommes. Sans que je puisse rien faire quoi. Ramène tes 2000 hommes peut-être que t'as au-dessus quand même, histoire d'être un petit peu plus... Bon. Bah non, mais cela ça va, c'est en Irlande là. Regarde, le Kildare, il a traversé tout le pays en traversant les forts et du coup il va me tomber dessus. Ah merde. Alors que justement j'étais censé être plus ou moins sécurisé dans mon coin quoi. Ouais voilà, il va me tomber dessus, bah il va me défoncer. Bah non, bah c'est bon, je lance une paix blanche. Ah putain, ils veulent plus quoi. 21 moins 21. Ah putain. La four. Oh là là, non mais c'est ouf quoi. Je peux m'enfuir. Ah non mais t'enfuis pas par là, sois pas con. Ouais j'avoue que là... Ah t'as pu t'enfuir quand même? J'ai pu m'enfuir, bah il va me poursuivre probablement quoi mais... Ouais. Il a loqué, mais fais gaffe, il va... Ah bah. Il se tire, je sais pas ce qu'il fait. Il reste 884 hommes à l'Océan. Si je lançais un assaut, ça va me coûter un max de troupes. Mais si on arrive à prendre l'Océan, ça peut aider quand même. On va attendre de voir ce qu'il fout l'autre à Kildare là, parce que. Il repart. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment la teuf, hein. Les mecs ils se baladent partout, ils en ont rien à branler. Là il va sûrement essayer de faire annuler le siège de l'Océane.
Si ça tombe pas à 21%, je lance un assaut. Non, il fait demi-tour. Putain. Heureusement que l'IA est débile, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai pas d'autre mot, hein. C'est pas ce qu'il veut, quoi. À 21%, putain. Il y a une désertion, je lance un assaut, c'est bon. Faut faire tomber ce putain de siège, là. Avant que l'autre tombe, là. Ouais, si tu réussis, hein. Si je réussis, ouais. C'est pas dit. On est passé à moins 9%, il accepterait de nouveau une paix blanche, là. Ouais. Il est en train de revenir m'emmerder, là. Ah, putain. Oh là là, mais je peux pas me barrer cette fois. Non, bah c'est bon. Ah merde. Je peux plus du coup. Je peux plus faire de paix. Et là, l'assaut, ça va tenir. Oh là là, mais c'est ouf quoi. Oh, puis Northumberland qui tombe. Oh là là. Oh putain, cette guerre de l'enfer quoi. Ah ouais, cette là pour le coup. Guerre de l'enfer quoi. Sûrement une des pires qu'on ait pu voir. Ouais. Ah ouais, là franchement, il me défonce, mais sur tous les fronts, et en plus, je suis incapable de comprendre pourquoi quoi. C'est juste surréaliste quoi. Ouais. T'sais, il a plus que 5000 troupes, le mec. Il a plus que 5000 troupes. Et il me défonce le cul. Bah après, sur cette armée-là, il avait clairement un général, t'en avais pas. Si, j'en avais un. J'en ai un. Ah, t'en avais un ? Ah, pardon, je l'avais pas vu. Non, j'en ai un. Bah après, voilà, il fait n'importe quoi, il fait des allers-retours. L'autre, il est posé sur Montgomery avec 6000 troupes, c'est pas assez pour faire un siège depuis des mois, donc il fait que bouffer de l'attrition, il reste là tranquille, il fait rien d'autre. Et nous, non, pas de soucis. Alors là, j'avoue, je suis complètement démuni par cette guerre, quoi. On va essayer de voir si on peut faire tomber l'Océan, du coup, vu que visiblement, il a pas envie de venir... Et la France adepte la Renaissance, mais on s'en fout de ça. Bah là, il va venir faire chier les 2000 troupes en haut. Ah, on a remporté le siège de l'Océane. Ah, bah voilà, ça peut tout changer, ça. On peut faire une paix. On est repassé en positif dans le score de guerre, du coup. Ah bah. On peut faire une paix blanche, mais de justesse. Bah, fais-le, sinon tu vas encore perdre 3000 hommes. 14 et moins 11, ouais, c'est clair. Non, là, faut... Faut stopper et... Ouais, faut s'arrêter là. Est-ce que je peux équilibrer avec un peu de sous? Non, même pas. Bah écoute, paix blanche. Il faudra faire voilà. Ça mieux. Ouais, faudra passer la tech et puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a déconné parce que franchement là... Je comprends pas quoi. Tu m'étonnes. Enfin, certes, ils avaient une tech de plus que nous, donc dans les batailles, il fallait qu'on ait un avantage numérique et tout. D'accord. Mais le coup d'effort en mode totalement la teuf, là, je... Je comprends absolument pas. Hein. Franchement, je comprends pas. Ouais, là, je... Mon expérience EU4 est pas assez... Moi, enfin, je maîtrise un peu près normalement le jeu, mais là, ouais, je... Mais là, tu vois pas. Bah, franchement, non. Pour moi, je sais que quand je jouais justement du côté des Ottomans et tout, là, il y a plein d'endroits un peu tricky, avec l'endroit où il y a des montagnes, les gens peuvent passer, pas passer et tout, mais là, je sais pas si c'est la combinaison des deux forts, et si c'est le cas, pourquoi moi je pouvais pas passer et que lui, oui. Clairement, ça s'est joué là-dessus, la guerre. Hein. Oui, y a pas de, il n'y a pas de débat, quoi. Bon, pendant ce temps-là, l'agitation. Ah, 70% chez toi pour les Bogomiles, mais à part ça, ça va.
King's County, c'est là. Ouais, bah on va se poser là, puis on va s'entraîner, hein, que ce soit vous dise. De toute façon, on va pas aider la Bourgogne tout de suite. Hein. on est à moitié mort, quoi. On avait 1000, on a réussi à récupérer 1000 réserves avec un event et ça a instantanément fait bouffer. Tu m'étonnes. On a même plus assez de points du coup pour prendre les techs qu'on pouvait prendre même avec tous les malus quoi. Je vais passer vitesse 3 pour la guerre parce que c'est interminable. Feel free. Ouais, c'est assez ouf quand même. Bon, on a quand même réussi à prendre le Desmond, c'est pas totalement perdu, mais c'est quand même sacrément bizarre. Hein. On a perdu le siège de Rizel. Ah, c'est un truc que t'avais pris. C'est ce que j'avais pris, ils l'ont repris, ouais. Tu sais, ils vont faire le siège de Calais, du coup. Ça les occupe. Ouais, est-ce que j'envoie quelques bateaux jouer avec eux? Ils ont quoi dans cette flotte? Des bateaux de pêche, surtout. Hein, ils débarquent. Ah, ils débarquent. Ok, tirons-nous le temps de remonter un peu la... Décidément. Le 4000, monde entier t'en veut, hein. 4000 Flandrais. 4000 Flandrais, Flandrais c'est tech combien? Flandrais c'est tech 5, putain. Ah la vache, la violence. Oh la vache, on va se faire défoncer. Eh, cette petite guerre contre Kildare, que je m'étais dit tiens, je vais la tester, c'était l'erreur, je pense. Hein. Le coup de l'appeler en co-belligérant, c'était vraiment l'erreur, quoi. Finalement, il a pas débarqué, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je le vois pas. On dirait qu'il a pas débarqué. Bon, il a dû laisser tomber. En même temps, là, il va se prendre des bateaux. Ouais, il a dû voir arriver les bateaux, il s'est replié, ouais. Ouais, bah, heureusement, on a encore ça qui marche, les bateaux, quoi. Allez, bim, dodo. En plus, t'es de l'Autriche, du coup, c'est bien. Ouais. Voilà, le siège d'Antwerp. Mais il ressort ses bateaux, il se fout de ma gueule. T'es où, toi, d'ailleurs? T'as perdu tes troupes? Non, je suis resté dans le bourbier là-bas et. Non, je fais des sièges, j'aide. Où est le drapeau normand? Ah, regarde, je suis à Ghent. Il est là. Ouais, je te vois. Et maintenant, je vais retourner à. À Rizel. Voir, je vais. Ah putain, je peux pas l'aider dans la bataille, je suis trop loin. Ross. Bah. Au revoir. Fuyons. Ouais. Courage Fillon. Ouais. Dommage, si j'avais pu l'aider, je pense que c'était bon. Et là. Bah, rien que tu l'aides, il se replie chez toi. Ouais, voilà. Ça fait hein tout. On a un bon score de guerre quand même. Tiens, ils vont faire le siège de Liège, je vais y aller. Voilà. Notre héritier est prospère. Eh ben, c'est parfait. Bien joué. Ah oui, c'est le score de guerre en plus, oui, bah... Attends, le reprendre alors. Est-ce que notre diplomate... Ouais, on peut faire une dernière revendication en Écosse, on a déjà tout ça. On va prendre Argyll et on va le rappeler. On va plutôt s'occuper des pays outragés, histoire de faire sauter cette coalition le plus vite possible. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on se fait un paquet de pognon. Alors, et du coup, est-ce qu'on pourrait pas prendre un conseiller intéressant? Efficacité commerciale plus 10%, ouais, pourquoi pas. Allez, on prend. Et puis le mec, moins 50% qu'on a depuis le début, qui fait agitation de pays, moins 2, mine de rien, il aurait été bien utile. Alors là, il y a quoi comme bateau? Que des bateaux de commerce. On va aller leur faire un petit coucou. Ils sont 20 quand même, hein. Mais normalement, ouais, voilà, on devrait pouvoir les défoncer. Hop là, on va réparer. Tourne au Sussex. Et il ressort dès que je m'en vais. Hein. C'est pas grave, on va le rechoper. Pas question que tu de t'aider à faire tes blocus. Oula, c'est quoi ça? La doctrine du jugement particulier. Comme le sait tout un chacun, notre trépas Dieu juge immédiatement pour décider du sort réservé à l'âme dans l'attente du jugement dernier. Mais un moine a lancé un débat qui confine à l'hérésie en déclarant que le purgatoire n'existe pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est assurément un erzétique ou
On ne peut rien faire, on gagne 5 d'agitation en Essex et on perd 1 de désir de réforme. Essex. Oh, la France s'est alliée à Kildare, quoi. Normal. Ah, il y a déjà une petite agitation quand même là. Ouais, à cause et de à la Croatie, de la tiens. Je vais me foutre au milieu du territoire et puis je vais m'entraîner. Ouais, bah j'avoue qu'il darie allié à la France, quoi, le truc totalement improbable. C'est clair. Bon, c'est pas grave, hein, on a plein d'autres petits pays, mais. Oui, non, mais oui. Et l'Écosse est alliée à quoi d'autre? Munster et France. Bien, 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 bien. Est-ce qu'on a refait notre troupe? Pas du tout. 12 000 hommes, on a quoi. 12 000 hommes, il nous manque. On peut toujours pas faire de loi là. Non, pas encore. Dans quelques années. Allez, on s'entraîne ici. Spellman, glandé. Et bien que notre professionnalisme qui peut nous permettre de gagner un peu de bonus, alors autant le garder au maximum. Ah, on a de nouveau trop de bateaux. Ouais, à cause de nos bateaux qu'on a capturés, sûrement. Ah, petit lag. Tu m'entends? Ouais, ça, je t'entends. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Alors, comment ça se passe l'institution? On a adopté la Renaissance à Londres, et ça c'est plutôt cool. Et du coup ici, je pense qu'on va... Non, ça c'est déjà la province de Londres. On pourrait en poser un là, ouais. Ouf. Diplomate de Lorraine, personne nous aime, hein, c'est ouf. Hein. Allez, on prend l'accroissement de la modernisation, faut que ça trace. Hein. On peut pas la prendre encore. Ah, on pourrait la prendre si on avait 493. Intéressant ça. Vu notre retard technologique, c'est presque tentant. La guerre a l'air de bien se passer, on va voir si la Bourgogne fait une paix intéressante. Oh putain, j'avais pas vu, il a lancé une bataille navale avec des trucs un peu plus sérieux. Non, absolument pas. Avec que de la merde. Oh ouais, non, ça va. Je vais juste aller réparer après, peut-être. On a perdu un bateau. On va se réparer. Parce que mine de rien, on a des bateaux qui sont à 99%, hein, ça déconne pas. Bon, bah au moins on s'occupe de la partie maritime de cette guerre, on va dire ça. Exactement. Puis je crois que de toute façon, en tant que... Enfin, j'ai l'impression, après j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'en tant que... Je vais y arriver. Que vassal... en tant que vassal de l'Angleterre, je pense que je te fais contribuer au score de guerre, non? Je pense, ouais. Ton score de participation est de 32%. Alors que le mien est à 0. Oui, bah oui. Ah, donc s'ils arrivent à choper une paix intéressante, il y a moyen qu'on se fasse un petit peu de sous quand même. Ce qui serait pas si mal, hein, après tout. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas dit non rien que pour adopter l'institution, bordel. Ouais, bah je pense que je vais t'aider là-dessus aussi, hein, parce que pour le coup, je pense que tu touches rien aussi sur mes frais. C'est moi qui touche tout. Ah bah oui, il y a des chances. Mais de toute façon, on va arrêter l'épisode là pour l'instant, parce qu'il a largement assez duré. J'espère du coup qu'il vous aura plu, c'était franchement, je dirais pas facile, mais bizarre, enfin bon... Ouais, c'était pas l'éclate en tout cas. Ouais, bah au moins ça laisse encore du suspense quoi. C'est ça, voilà. Au moins ça laisse du suspense. L'Écosse est toujours là. Kildare aussi. La France aussi. Renforcé avec la France et tout. Donc, ouais. Très bien, on sera bien. Bah la prochaine fois, il faudra qu'on appelle les alliés, c'est sûr. Hein. Mais là, ah bah on va oui, se faire là, un peu de points de faveur et tout. Ça va le faire, je pense. Je pense que la prochaine guerre sera une grosse guerre. Ouais, vraiment. Il y a moyen. À moins que ce soit pour finir la Bretagne, mais. Oui, bon, ça c'est normal. Je là, considère même pas que ça comme une guerre, mais comme une formalité administrative. C'est ça. Juste signer en bas du papier, s'il vous plaît, quoi. Oui, s'il vous plaît. Allez, on s'arrête là pour cette fois. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et dans tous les cas, bah, je vous remercie de suivre.
Et je vous remercie pour les 2000 abonnés une fois de plus, parce que il faut remercier pour ça. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. À bientôt.